الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. استمع يا عبد الله، يقول أبو المدينة وكان من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، يقول كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعا قبل أن يتفرقا قرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Abu al-Madina, qui était parmi les petits sahaba, ridwanullahi alayhim, il dit, lorsque l'un des sahaba se réunissait dans une place, il ne se séparait pas, sauf seulement que l'un d'eux lisait à l'autre la sourate de Asr. Wal-Asr inna l'insana la fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Et cette sourate d'Abdallah, yamat Allah, réunit quatre grands masail azimah, les talib al-ilm. Il dit, illa alladhina amanu, le iman, la foi d'Allah Azza wa Jal, ne peut pas se passer tant qu'il y a pensé à l'ilm. C'est ça que les savants appellent talazum bain al-ilm wal-amal. Il dit, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Et à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal mentionne l'iman dans le Coran al-Karim, bon nombre de fois il mentionne l'amal al-salih. Par exemple, inna alladhina amanu wa amilu salihat, kana lahum jannatul firdaus nuzula. Directement qu'Allah Azza wa Jal a cité le iman, qui doit être d'abord suivi de l'ilm, de la science, directement via le amal. Ça c'est le talazum bain al-ilmi wal-amal. C'est comme ça dans plein d'ayats dans le Coran al-Kirim. Inna alladhina amanu wa amilu salihat, ulaika hum khayru al-bariya. Amanu, ils ont connu Allah Azzawajal, et avec le ilm, wa amilu salihat, et ils ont œuvré, ceux-là sont les meilleures créatures d'Allah Azzawajal. Ça veut dire qu'ils ont le mérite devant Allah yom al-qiyama. Et bien l'œuvre ne sera, la science ne sera jamais utile tant que cela n'est pas maqrouna bi amal salih. Tant que cela n'est pas maqrouna bi jihadi wa juhud, man jadda wa jada. إذن عليك بالعملي يا طالب العلم حتى يكون ثمارا لعلمك. Il te revient de vrai, oh, toi l'étudiant en science, pour que ta science que tu as eue là, ça c'est fruit. Et le fruit de la science, c'est le travail. Ça c'est que je t'exhorte dans ça. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.